Ouais, détends-toi là. Ouais, je me détends, mais là je dois aller trouver un taf. Eh, ma voiture, t'es sérieux là? C'est une réunion d'homosexuels ici ou quoi là? Bah ouais, il manquait plus que toi à la fête. On évite les propos comme ça, par contre. Nickel, c'est pas grave, je viens de prendre du popper, j'ai l'anus dilaté, sale bâtard. C'est quoi ce mec là? C'est qui ce Toto? Nous présente, d'accord. Eh, je voulais savoir, y'a pas moyen d'avoir un petit deal là? Je suis chouf. Attends, c'est la police là. Ah putain, je me casse, vas-y. Non, t'inquiète, c'est un déguisement, putain. Vas-y, Adam. Son de Renoir là, ferme ta gueule, quoi. Adam. Adam, mais c'est que j'ai pas, s'il te plaît, par contre. Mets-la. Non, je peux pas la mettre, c'est Akira qui la met. Ne reviens pas, petit bloc. Arrête de chanter cette chanson de merde. Ne reviens pas, petit bloc, je rentre chez toi. Ta gueule avec ta chanson de merde, là. Madame, bon, allez, le commandant, le lieutenant, ferme les yeux. T'as un problème? Tranquille, que ça arrive pas. Bah, voilà, putain. Après, à qui tu parles, par contre, s'il te plaît. Je suis pas méchant, mais fais gaffe aux limites. Ouais, mais c'est quoi cet accent, là? Tu viens d'où, là? Mais j'ai pas un accent du sud de la France, tu te fous de ma gueule. T'es alsacien. Je vais te chicoter les fesses, pardon. T'as déjà vu un alsacien qui parle de moi? Il est allemand, non? Et ta daronne, elle est scandinave. Ça, ça veut dire que ça manque de répliques. Maman pute, attends, en général. Attends, bouge pas. On va jouer au golf. Et ton prochain move, normalement, c'est de me taper. Pour montrer ta faiblesse en termes de répliques. Non, y'a pas le droit de taper ici. Bah voilà, bah baisse tes yeux et ferme-la. J'ai envie d'enchaîner avec ton collègue là. Ouais, le policier. Moi, je peux faire ça. Ah, c'est quand même mon meilleur ami, c'est le commandant. Ah oui, bah enlève. Eh, t'as rien à voir avec les flics là. Enlève-moi les menottes là, tout de suite là. Ah, si, c'est le commandant de la ville. Kakashi, il y a moyen, tu me prépares ma bagnole vite fait. Eh, tu me fais tourner en brique, j'ai la tête qui tourne là, policeman là. Enlève-moi les menottes et me casse pas les couilles, je suis en train de gilet là. Voilà, lui il est pas fait. Il est pas très fait. Aïe, arrête, ça me sert de ouf là. C'est quoi ce qui t'arrive, mon biche? Eh, comment tu t'appelles toi? C'est quoi? C'est Zerka? Dorka. Ouais, t'es un chouf. Dorka. Ouais, j'étais chouf là, mais là j'ai envie de passer au niveau du au-dessus là. Ah ouais, tu vas pouvoir passer à balèze. Pas devant le flic là, lui pour être poucave. Eh, vous êtes en fonction, monsieur l'agent, vous êtes en fonction là ou pas? Par contre, toi, on voit que tu viens d'arriver. De la ville, tu as un petit sac à dos derrière là, le sien. Attends, Non, c'est parce que j'ai cours là. Je suis en SDG. T'as jamais été à l'école, ça se voit, tu rigoles comme un teubé. T'as jamais été à l'école ou quoi? Derkal, écoute-moi, Derkal, oh le chou. Je me suis arrêté au CM. Arrête, sinon on va t'arrêter pour tentative. C'est quoi un auxiliaire? Y'a pas moyen de trouver des petits enfants là, des petits. Ça va pas être faisable. Vas-y, encule-moi. Il était guignol. Ouais, ça va, franchement, le boule, ça squatte ici, là, c'est bien. T'es en train de faire caca ou quoi, Baltron? Alors, je t'explique, ça, c'est le commandant de la ville. Pardon. Ah, désolé pour mes propos, alors. La petite pute de la ville. T'entends ou pas comment il perd ses couilles? Non, je perds pas mes couilles, c'est juste que, voilà, j'ai cours bientôt, donc c'est pour ça que je suis en train de aller réviser, j'ai un cahier passeport qui m'attend. Là, vous en avez besoin, hein, la police, hein, parce que là, vu vous recrutez, les gens que vous recrutez, là, depuis le début, là, franchement, en termes de culture et de faculté d'analyse, c'est zéro. Et c'est-à-dire en termes de culture, vous êtes raciste? Non, mais avec une tête pareille, à mon avis, c'est pas aller loin, hein, pas plus haut que le bac. Hein. On dirait que t'as 18 ans à peine, quoi. T'es sérieux? T'as une voix de pige. Aussi 18 ans. Non, mais t'as une voix de pige, gros. Moi, j'ai un certain charisme. Moi, je peux être lieutenant, tu vois. Mais toi, franchement, t'as aucun charisme, je te le dis direct. Hein. Moi, franchement, tu me parles comme ça dans la rue, j'ai envie. Limite, franchement, t'as un petit corps délicieux, tu vois. Moi, je te caresse les boules. Je te caresse les boules et je mets ta tête au niveau de mes bouliches et tu me suces, tu vois. Et moi, je te monte en l'air et quand tu vas aller en fédé, tu vas rien monter en direct. Oh, t'es sérieux? Arrête, tiens tes répliques, gros. C'est Adam Smith, c'est un gars qu'on a mis en fédé. Il était en fédé perpète, ça veut dire qu'il devait se recréer un perso pour pouvoir revenir. Se recréer un perso. Et c'est un gamin, il a quand on l'a arrêté, etc. pour tous ses délits. Le quoi, lui? Non, ne reviens pas, rentre chez ta mère, suce mes boules. Ah, ils m'ont mis cette chanson dans la tête là. Casse les couilles. Cool, tu vas pouvoir me ramener, merci frère. C'est quoi les règles? Je te mets une petite olive, tranquille, ça va bien se passer. T'as jamais été gay ou quoi? Moi j'ai déjà fait, hein. C'est que de la peau. C'est bien. Détends-toi, je mets ma main sur ta cuisse là, détends-toi frère. Allez, vas-y. Pourquoi t'aimes pas tout ce qui est homo? Vas-y, espèce de clochard, arrête de parler de trucs comme ça, tranquille. Dis pas que je suis une pédale, je suis actif. Regarde mon doigt, regarde ma phalange quand je mets un wad, regarde, c'est comme ça, c'est bien dur de ouf. C'est moi qui mets les wads, c'est moi qui mets dans les trous, dans les orifices, comme ça. Oh, les orifices de ouf. T'aimes pas les orifices, gros? Même dans les doigts de nez, j'aime trop mettre ça. Je mets un bout de gland dans les narines, je kiffe, gros. Ne reviens pas. Eh, ferme ta gueule, ta musique de shot, là. Allez, tous vous fermez. Ne reviens pas, c'est pas un défi pour toi.
Je vais te ragame, suce mes boules avec ma demi-couille. Je vais te vomir dessus sur ta trachée. Allez tous niquer vos mères, bande d'enculés là. Ah génial, pareil comme moi. Moi je suis pareil. Eh la tête de ma mère, pourquoi tu l'as tué toi, sale bâtard, va. Eh pourquoi tu l'as buté gros, je suis témoin. On va faire un petit bal. On parle de Mademoiselle, y'a moyen que je prenne le véhicule là? Non, sûrement pas, vous prenez pas le véhicule là, des EMS. Ah ouais, j'ai affaire à un petit transsanglote, ça fait plaisir ça. Comment? Je voulais dire, ça va mademoiselle? Oui. J'ai été blessé là, y'a pas moyen d'avoir un petit bandage là. Je viens du parking central, y'a une agression. Et Josiane, un petit bandage là, ça. Merci mademoiselle, venez. Vous me rappelez une certaine Margaret. Ah. Ça, vous présentez bien pour un trans, hein. Franchement, ça va. Hein. Mais je suis pas un trans. Ah bah pourtant, le visage en fait, et la glotte. Bah vous fumez des gitanes alors, c'est pas possible. Ah merci, vous m'avez bien soigné. Ça, vous bandez bien, hein. Franchement, il y a un petit talent. Je vous fais une facture. Non, j'ai pas envie de payer, tranquille, mademoiselle. Tranquille. Ah, ben si, vous payez. Je vous ai fait un soin. Vous êtes bon, allez, un petit soin. Ok, ça va, j'espère que c'est pas cher. Attendez, je vais regarder dans mon muscle. Quoi, 1000 dollars, tu fous de ma gueule là? Et vous parlez bien, s'il vous plaît? Je suis pas votre. Ouais, non, ami. Non, mais j'ai une mutuelle. Non, je payerai pas autant. Non. Ah ouais? Eh ben, pas de problème, je veux votre carte d'identité. Bah, vas-y, je vous la donne, mais je m'en bats les couilles, je payerai pas autant. 1000 dollars, okay. Sérieux. Un petit bandage, 1000 dollars, c'est de ma gueule ou eh quoi? Eh ben, Josiane. Ouais, ben, c'est le prix. Et je m'appelle pas Josiane, et vous me respectez, s'il vous plaît. Non, je vous respecte, y'a pas de problème, mais bon. Je veux voir votre carte d'identité, s'il vous plaît. Ouais, je vous la montre. Qu'est-ce qu'il y a? Je te la montre direct, ma carte. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai pas. Regarde, je te la montre là. En plus, il y a des taches de meusper dessus. Des fois, je me branle sur ma photo. On bat les couilles. Ah, t'as touché ma carte. Allez, t'es contaminé de mon meusper. C'est comme si tu m'avais touché la bite. C'est bon, je vais à la LSPD porter plainte contre vous. Quoi? J'ai fait quoi? Dis-moi, la tête de ma mère, j'ai fait quoi? Vous payez pas et vous respectez pas. Mais je respecte! Vas-y, tu sais quoi? Non. On va aller ensemble. Allez, hop. Je sais pas ce qu'elle veut, Margaret, la tête de WAM. En ce moment, tu me fais chier sur Smule. Maintenant, tu viens sur 16, t'as voulu jouer. Maintenant, t'es sur GTA. La tête de ma mère, ça va pas se passer comme ça. Tu me suis partout où je vais. Ça me casse les couilles. Laisse-moi évoluer tranquille comme je veux. Qu'est-ce qu'il y a, China? Bonjour, ouais, bon, merci pour le soin. Bonsoir. Ouais, China, qu'est-ce qu'il y a? Ce monsieur-là, il m'insulte. Il veut payer ses factures. Et il a voulu voler la voiture de la alors, des EMS. Alors non, objection vous première, parce que je suppose qu'en tant que policier vous allez écouter ma version. Alors je vais vous dire, je compte payer, y a pas de problème, mais sauf que je trouvais ça un petit peu excessif. Allez, arrêtez. Ah, les services de l'État, tu crois que tu les négocies ou quoi? Tu crois que c'est le marché? Surtout que c'était 1800 la facture et je lui en ai fait une 2000. Bon alors c'est bon, je lui paye devant vous. Voilà. Allez, hop. Traite de transsexuel. J'ai jamais dit ça. Après, j'ai dit que vous ressemblez à Margaret. Non, tu m'as traité de transsexuel, arrête. Non, transanglote, c'est différent. Ça veut dire que t'es une femme, une semi-femme. Donc là, elle est en train de déformer les propos, monsieur l'agent. Merci. Dis-moi, ça t'amuse quand même de parler comme ça à des gens? Alors, je vais vous expliquer, monsieur. Non, mais tu te permets. Un bandage, 1000 dollars, je suis désolé. Pour un bandage, ça va pas. Tu parles de transsexuel, mais on dirait un pédophile qui habille un petit enfant qui est là juste pour les couilles. Ma mère. Pardon? Après, je lui demande sa carte d'identité. C'est bon, j'ai payé. Non, vous avez pas payé, vous avez pas assez d'argent sur vous. Ah bah oui, bah j'ai pas assez d'argent. Eh, parle bien, je suis pas un clochard. Il me tend sa carte d'identité. Il me dit qu'il s'est masturbé dessus et que là je suis en train de toucher son foutre et sa bite. Alors ça c'est faux. Alors encore une fois déformé. Alors, vous avez confondu. Oh bah en fait tu manges un. Non, mais il va se manger un bon. Non, mais j'ai jamais dit ça. Mais elle dit quoi la meuf? Attendez, vous allez écouter ce qu'elle a dit là? C'est moi. Vas-y, c'est pas grave. HRP. Oui, mais excusez les gars, nous sommes dans une CNRP. Alors je voulais revenir un petit peu sur la chaîne. Effectivement, ta gueule, ça y est, tu fais le fou, mais maintenant qu'on est là, tu perds tes couilles. Non, mais parce que je suis en personne. La GRP. Donc excusez-moi s'il a pu aller un petit peu trop loin vers cette jeune demoiselle. Je suis désolé. Je sais pas, bien prendre un averto, mais mademoiselle, en fait, s'il c'est vous un plaît. Ancien qui a été bonne, qui a fait de la fédé et il vient de revenir. Mais je m'en fous, putain, il a qu'à respecter. Moi je respecte tout le monde. Pourquoi moi on me respecte pas? Mademoiselle, je suis désolé, mais c'est le personnage qui veut ça. Donc je suis désolé. Vous croyez vraiment que j'ai envie qu'on me dise que je lui ai touché sa bite et tout? Non, vous croyez que je suis là pour ça? C'est du RP, mademoiselle, c'est le personnage. Je joue le rôle d'un Derka, d'un jeune. Mademoiselle, je tiens à présenter mes excuses pour le personnage. Parce que c'est le personnage qui vous a traité de pas. Oh, dégage, mec. Monsieur. Ouais, bonjour monsieur. S'il vous plaît, je vais vous demander de quitter les lieux. Ouais, y a pas de problème. Merci en tout cas. Et puis monsieur. Ouais. Des petites excuses ne seraient pas de refus pour la dame, s'il vous plaît. Ouais, je vais m'excuser tout de suite là. Un peu de civilisation. De civilisation.
cheveux, frère. Ah, Berberka, là, tu t'en vas, s'il te plaît. Ouais, ouais, je dois parler à un officier de police, c'est important, là, en fait. Ouais, mais je m'en bats les couilles. Mais t'es où, frère? En fait, je cherche un taf. Et à Pôle emploi, le problème, j'aimerais bien chercher. Ouais, mais le taf le plus rapide pour gagner de l'argent, parce que je dois rembourser mes dettes. Orpailleur. Elle veut quoi, la meuf derrière, là? Pourquoi elle parle de Jean-Payeur, là? Elle veut quoi, là? Je t'ai pété les plantes ou quoi? Non, mais par contre, parle bien de ma meuf, je te le dis. Genre, c'est ta meuf? Ouais, c'est ma meuf. T'as un problème? Tu veux une balle dans la tête peut-être? Non, non, tranquille, oh. Tranquille, mais. Quoi, t'as un problème? Je savais pas que les tatouages on les faisait en décalcomanie comme ça. Truc de ouf, voilà, j'étais censé. Écarte-toi, le flic. T'as un pantalon trop petit, C'est des malabars ici. Ouais, bah. Ils vendent que des tatouages malabars. Ça serait bien que tu les mettes sur ton clito pour t'éviter de jouer. Ah, le bâtard. Aïe, ah, ça va! Ah, bah, c'est bien fait pour sa gueule. Il avait tu parleras mieux. Ah bah je suis déjà sur place, tranquille, bien ou bien? Ça va ou quoi la famille? Non, ne reviens pas, ferme ta gueule et suce mes boules. Ah non! Ouais mais voilà, désolé de vous déranger, j'ai été encore blessé, je reviens du parking central, j'ai été agressé parce que j'avais pas d'argent. On l'a déjà fait cette scène, non? Après j'ai pas envie de manquer de respect, j'ai pas envie de vous appeler Margaret, je sais pas, on s'est quitté, je me rappelle plus de votre prénom, je sais pas, peut-être votre collègue il l'a dit devant moi. Ouais mademoiselle, je suis blessé, en fait le problème c'est que j'ai... Je dois partir sur une urgence. Ouais, mais je suis blessé en fait là. Ah. Oula, qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais, pardon, excusez-moi gros. Je voulais faire un créneau à la base, mais j'ai mal géré. Tu moi, tu fais exprès en fait? Non, j'ai pas fait exprès en fait, je pensais que c'était un PNJ. Me dis pas que c'est l'autre meuf là, en plus je dois de l'argent. Eh, s'il vous plaît, dites-le rien les gars, dites-le rien. J'ai pas cherché un taf. Mademoiselle, y a moyen de m'emmener Non, je suis pas un taxi. C'est bon là, vous m'avez gonflé pour ce soir, c'est bon. Je veux bien être gentille, mais à un moment donné. Ouais, non, mais tranquille. Là, je suis en train d'utiliser un kit réparation qui m'a coûté 5 000 $. Non, fais pas ça. C'est bon. Miskin, franchement, elle me fait de la peine. Y a pas Miskin en plus. Non, moi je te le répare gratuitement, moi. Bah, fallait bon, me le dire, c'est moi c'est je bon, te bon, le répare. Ouais, bah putain, t'as vraiment un humour de merde. Ouais, je pensais que c'était un PNJ. Mais bien sûr, les PNJ ils ont des voitures EMS, c'est bien connu. Mais j'ai pas vu de loin, ça allait très vite, ça faisait comme des petites lucioles, désolé. Y'a moyen que vous m'emmenez ou pas? Non, j'ai pas le temps de vous amener. 5 000 $, je vous les rembourserai. Ouais, c'est comme la facture EMS. Ouais, mais laissez-moi trouver un taf aussi, mais elle est sérieuse la meuf, vas-y, casse les couilles elle. Et voilà. Vas-y, trace ta route la meuf là, dégage là. Détends-toi, je t'ai rien dit. Ouais, détends-toi là. Ouais, je me détends, mais là je dois aller trouver un taf. Qu'est-ce que t'as? Ma voiture, t'es sérieux là? Tu le payes, tu le casses. Tu le payes, tu le casses. J'ai rien payé du tout. Tu le payes, tu le casses, la tête de main. Attends, je roule. Attends, laisse-moi rouler mon bédo après, je me calme. Après, je te règle ta gueule. Toi. Ouais, on verra. Vous inquiétez pas, il y a un papillon là, il va venir s'en occuper parce que ça fait 3 fois là qu'il nous casse. Et évite de faire des menaces, raconte pas ta vie. T'appelles ça une femme? T'es sérieux toi? Mais voilà. Faut lui l'appeler, mec, t'as un problème ou quoi? Mais gros, je dois la rembourser, ça me casse les couilles, je dois la rembourser. Attends, j'ai trouvé un taf. Sinon, je t'entends pas. Et je parle bien. Je t'ai jamais vu, c'est quoi ton nom? Je t'ai jamais vu avant? Moi, c'est Derka, enchanté de vous connaître, mademoiselle. Ça va, je pense que c'est pas Tina. Tina, bah enchanté. Je suis la nouvelle directrice EMS. Ah, mais c'était moi avant toi! Ah, cool! C'était moi avant. Les meufs là, d'accord. C'est bien comme ça, comme vous êtes là. Ah bah, je suis bête. Et quelle meilleure chute!